Hey, bonne Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. On est mercredi le 14 février. Moi, ben, je suis encore malade. Je suis découragée parce que ma semble, je le suis souvent. J'ai attrapé le rhume à Lucas, ça c'est sûr. Fait que j'ai pas bien dormi. Le nez coulait comme c'est la goutte qui pend tout le temps au bout du nez, là. Fatiguée, puis mal à la tête. Fait que c'est pas je place Saint-Valentin. Moi, je me en congé, puis je file pas. Là, il dit, j'avais pas réservé au spa qu'on allait au spa, mais je fais le pas pour aller au spa. Puis en plus, il vente vraiment fort, là. Le vent, il est fort dehors. Fait que là, il est 10h15. Là, je viens de reprendre des Tylenol, puis je vais me coucher. En espérant peut-être qu'en me couchant, mais je me lève autour du midi, ben, je suis pas plus en forme. Parce que Lucas, il s'était replacé vite. Lucas, il avait été chercher l'école vendredi matin, puis dans le soir, il allait déjà mieux. Fait que, il continue à moucher, là, mais. Fait que c'est ça, j'ai été malade au début janvier, puis là je le suis encore, je trouve ça poche. Katia va bien, elle a super bien dormi, elle se réveille juste une fois. Mais c'est mon chum s'en occupait un matin, qui a fait tous les soins à Katia pour la préparer pour l'école. Il est allé la porter au taxi, de la pied. Elle a son spo, son spo, elle a sa piscine aujourd'hui. Fait que c'est ça, là je me couche un peu, puis on espère que je me réveille, je vais être plus en forme. Mon chum, à lui, en profite pour remplir les passeports, parce que là, on va s'en occuper pareil, tu sais, faut le faire pareil. Mais j'ai pas eu de retour encore de la maison de répit à Québec, fait que je sais pas ce que ça va faire. Puis, hier, on est allé marcher, puis on est allé souper au Rock Café. Puis, le Rock Café dans la ville proche de chez nous, là. Puis, la ville à côté. Puis, elle nous l'a dit que ça fermait, mais ça, on le savait. Elle a dit que ça fermait. On a su que ça fermait le même moment, le 25 février. Ça va fermer pendant un mois, Réna. Puis, ça va être un autre restaurant qui va partir. Mais, tu sais, on sait pas à quel point ça va être bon, tout ça, mais ça sera plus le Rock Café. Fait que c'est ça. Mais on commence à avoir notre cerveau. Si on retourne là, on commence à avoir notre cerveau, ce qu'on aime beaucoup, là. Elle reconnaît, en tout cas, elle nous reconnaît. Elle a dit qu'elle va continuer à travailler pareil, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller se reposer. Fait que j'essaie de vous reparler plus tard. Tourlou, il est 1h30. Ça va pas mieux. Je suis fatiguée. Puis là, ça me gratte dans la gorge. Puis là, finalement, je me suis couchée un peu, mais j'étais pas capable de dormir parce que ça me grattait. Puis là, ça me grattait, puis là, les yeux pleuraient tout seul. Fait que là, j'étais allée prendre un bain, puis mon chum, il m'a fait une bonne soupe aux légumes. Là, on a mis du fromage là-dedans, c'était bon, là. Puis là, ben, il s'occupe de moi. Là, il est parti au gym me chercher une chocolatine, puis des Halls. C'est bien plate, ça sent ça, j'en ai une congé de semaine, puis là, je pars en forme. Je pensais faire plein d'affaires. Que voulez-vous, hein? Et j'ai pas besoin d'être tranquille, puis me reposer. Est-ce que je suis pas OK? Ça a pas d'allure. Là, il est 6h, 18h. Lise est venue donner le bain à Katia, mais moi, je suis pas descendue. J'étais vraiment, je suis vraiment maganée, j'ai mal à la tête. Je suis pas descendue, puis je vais essayer de me tenir le plus possible loin de Katia. J'essaie de pas trop m'en occuper pour pas. Je voudrais pas qu'elle soit malade, ma petite cocotte, puis que encore qu'elle essaye à terre, puis qu'il faut tout que je la nourrisse sa seringue, puis qu'elle fasse une crise d'épilepsie. Ben, j'essaie de pas me tenir trop proche. Là, c'est ça. J'essaie de me lever un peu. Là, j'avais pris juste un Tylenol après-midi. Aujourd'hui, je prenais juste une Tylenol extra fort. Mais ça faisait pas effet. J'avais vraiment mal à la tête. Ça me gratte dans la gorge. J'ai pas de position. Je suis pas bien. Fait que là, j'ai lu que si ça n'avait pas d'amélioration d'en prendre deux. Fait que là, vers 4h30, j'en ai pris deux. Puis j'ai mal à la tête, mais c'est moins pire. Fait que c'est pour ça que j'essaie de me lever et être un petit peu active, là. Un petit peu faire des tâches, un petit peu. Là, Sabrina, elle arrive. On a eu la livraison de couches à Katia aussi, c'est vrai. Après ça, vers 5h30, Lisa venait juste de partir. Sabrina arrive, elle dit livraison spéciale. Elle avait emmené un cadeau de Saint-Valentin à Lucas. Puis, ben, c'est sa marraine, dans le fond. Puis, moi, elle m'a demandé un cadeau. Mais là, on dirait que je suis tellement contente. Puis, ça m'a redonné ça aussi. On dirait que ça m'a redonné du pep de voir ma fille qui est venue. Puis, qu'elle a pensé de m'emmener un cadeau. Elle savait pas que j'étais malade. C'est juste parce qu'elle pensait m'emmener un cadeau pour la Saint-Valentin. Elle est tellement cute. Ça a tellement un grand cœur, là. Puis, ensuite, elle avait réservé au point virgule. Fait que ça en allait là à 6h15, je pense, à la réservation. Fait que là, ben c'est ça, j'ai pas encore le cadeau. Puis là, je me demande, j'attends-tu d'être plus en forme pour profiter de mon cadeau puis d'ouvrir ça ou. Je l'ouvre tout de suite.
Je vais vous montrer le sac, il est tellement beau. Regardez le sac, comme il est beau. Ça a pas d'allure, hein? Ah, puis mon chum, il est cute. Puis là, tantôt, je pleurais, j'avais de la peine. Il fallait bien que je sois malade à Saint-Valentin. J'ai dit, c'était à ce congé de la semaine. Puis c'était à Saint-Valentin. Puis là, je file pas. Puis là, j'étais là, j'avais de la peine parce que je viens juste d'être malade. Puis j'étais encore malade. Puis là, je sais pourquoi je suis tout le temps malade. Mais c'est ça, mon chum, après-midi, était parti à chercher des hearths. Puis des hearths, puis quoi donc? Je ne m'appelle plus quoi d'autre. Mais il avait été m'acheter un beau gilet Guess. Ah, j'étais tellement contente. Fait qu'il m'a acheté un beau gilet Guess, je vais essayer de vous montrer ça aussi. Fait que je l'ai trouvé vraiment cute. Il sait que j'aime le Guess. Puis le Dolo, ben c'est pas loin. Le Pentagone est pas loin. Fait qu'on a profité. On va aller m'acheter un petit cadeau. Allô, bel cadeau! Allô! T'écoutes bébé Einstein dans ta chambre? Ouais, là, je te bouche la vie, hein? Hey, t'as des beaux cheveux? T'as d'envoi des beaux cheveux? Waouh! Ouais! T'as des beaux cheveux! Les a-t-elle fait des beaux cheveux? Plein de belles petites tresses! Bon, tu te sens-tu pas? Ouais! Fait que regarde, c'est ça que t'as eu. Ouais. 10 piastres de sable. Des chocolats. Ah, il y en a des blancs? Non, ok. On dit t'es chanceux, hein? Bon, je vais donner le cadeau à Sam, mais regardez. La brillance, les fleurs, c'est tellement beau. Ouais, fait que là, j'ai un beau cœur en tortelle. Ah, ça, j'aime ça, les tortelles. Je suis trop contente. Elle a acheté à Katia un beau gilet à manches longues avec des petites fleurs. Regardez ça, c'est cute. Après ça, elle a acheté aussi à Katia un petit gilet avec des cœurs noirs. C'est trop beau. Pas d'allure, je pense qu'on va y mettre demain. Oh. En plus, je pourrais mettre une veste noire par-dessus, c'est vrai. Puis, elle a acheté cette top-là. Ça, c'est pour moi, parce qu'après mes deux, je prends ça, c'est pour moi. Il est beau, hein? J'en reviens pas. Puis, des petits chocolats rochers. Elle est fine, hein?